quoi ça? Maman Choco, bonjour. Bonjour. Pardon, c'est toi que je suis venue voir. Venue voir pourquoi? Puis c'est la dernière fois que j'étais venue ici là pour faire un prêt de 50 000. Comme tu ne m'as pas donné là, voilà que le bailleur m'a mise à la porte. Et là où je suis là, je n'ai nulle part où aller. Je te pose la question si c'est l'orphelinat ici. Maman Choco, je n'ai pas dit ça, pardon seulement. Tu t'as joué, pardon, lève-toi, c'est pas Dieu. Tu t'as gêné devant moi, pourquoi? Tu m'insultes plus? Hein? Tu m'insultes plus? Jusqu'à la terre finie, tu n'habiteras pas chez moi. Donne la... Écoute-toi de moi. Donne-moi la clé, je peux installer. Hé! Lève-toi vite! Ça devient même quoi? Ha! Je demande, tu dois seulement lécher ses pieds pour qu'elle te donne la clé. Méfie-toi de moi, hein? Ah, vraiment. Tu fais gonfler même encore. Je suis pas le tapioca pour gonfler, ma chérie. Pardon, donne vite les clés. Il n'y a pas, j'ai dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas les clés. Je vois ce manque. Peut-être il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. J'apprends même qu'on t'appelle où c'est Maman Choco. Où c'est Maman Chocolat? Où c'est Maman Choco? C'est mon nouveau nom, Maman Choco. Ah bon, oui. J'ai comme l'impression que la troisième puberté veut y aller t'attraper. C'est même ça. Donc, c'est les gigolos qui doivent remplir chez mon frère. C'est les gigolos qui doivent nous remplir, s'accaparer de notre maison. Ouais, c'est ma maison. Quelle maison? De c'est quelle ma maison. Tu parles de quelle maison à Douala? Jusqu'à tu tapes la main sur la poitrine que tu as à la maison. C'est ma maison. Quelle maison? Hein? Oui. Ta cabane, là où on était allé te retirer chez tes parents là-bas, hein? Que le jour de la dot, on murmurait seulement de peur que ça ne s'écroule sur nous. C'est ça que tu appelles maison. Michel. Tu es arrivé à Douala, tu es resté dans la maison en dur. Jusqu'à aujourd'hui, tu gonfles. Je gonfle. Tu es bien de mon frère. Oui, je gonfle. Si ton frère ne m'aimait pas, il ne devait pas partir chez nous là-bas à Loup, me doter. C'est l'amour. L'amour du charme. Quel charme? C'est pas le charme que tu avais fait que c'était Michel, quoi? Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Tu as fait trois enfants, trois pères. Mais va épouser même, ne serait que l'un des pères de tes enfants. Maman, pourquoi tu vas m'épouser ici? C'est l'amour propre, pas l'amour du remède. Mais héberge ta petite sœur chez vous. Par rapport à quoi? Alors qu'il y a une grosse vidéo. Personne n'entre chez moi. C'est qui va entrer là-bas de gré ou de toi, c'est le charme. Merci. Pourquoi vous voulez ferme ta gueule. Ta mère t'a préparé jusqu'à tu as cuit dans la marmite. N'est-ce pas? Tu as cuit dans la marmite. Méfie-toi de moi. Et je parle et me regarde. Ton égal. Je doute même de toi, hein. De toute façon, tu es noire, elle ne souvient pas ce que c'est mon frère qui t'avait fait. C'est l'enfant du voisin. Ça commence à revoir. Ton cas à revoir. Je dis que c'est l'enfant du voisin. Allez, dis. Mais elle n'habite pas chez moi. Pourquoi vous voulez tuer ma mère? Ma mère est hyper tendue. Quand vous faites comme ça, ça t'en mal. Et nous, on va rester orphelines. Pourquoi vous faites ça? Maman, pardon, maman, je te veux en vie. Je vois qu'on t'a envoyé derrière. Ta mère, t'a monté jusqu'à. Jusqu'à tuer maintenant. Mais votre plan ne va pas réussir. Mais pour vous, va réussir. J'ai dit que votre plan ne va pas pour réussir. Pour vous, va réussir. Tu as monté les enfants. Mais chapeau, Maman Choco. Maman Choco. C'est mon nouveau nom. Pardon, lève-toi. Va chercher la moto, tu mets tes tempes là-bas et parti. Viens me sort les yeux. La perruque que tu as sous la tête là, va vendre ça. Une chambre ici à Douala. Tu as compris, non? Tu mets les longues perruques pour venir ici. Tu m'insultes. Aujourd'hui, tu viens pleurer. Il n'y a pas les clés, c'est ce que j'ai dit. C'est ma maison. C'est comment, Kamba, tu ne te rafraîchis pas. Depuis que tu as servi le jus là, tu ne vois pas bien. Ouais, Michel. Je me pose souvent les questions par rapport à toi, Michel. Tu es ma grande sœur. Tu sais ce qui veut dire grande sœur. Le matin, en partant chez Maman Choco, tu m'as certifié, hein? Tu m'as certifié que tu allais me mettre là-bas. Je suis aujourd'hui au bar. Tu me demandes de boire le jus. Le jus, c'est quoi par rapport au problème que j'ai? Et maintenant, à qui la faute? C'est à moi que tu poses la question. Michel, c'est à moi que tu parles. Tu n'as pas honte, Michel.
Arrête, arrête. Honte de quoi? Par rapport à quoi je dois avoir honte? Michel, tu n'as pas pu me mettre chez elle. La dernière fois que nous étions allés commander à manger là-bas, chez elle, à la cafétéria, n'est-ce pas, tu avais dit que tu étais en mission? Je suis partie là-bas faire le boucan. Ah, le boucan, mais voilà là où ton boucan t'a mené. Assume. Assume les odeurs de ta poubelle. Toi-même, tu trouves d'abord normal que ma belle-sœur a un restaurant, donc pour partir manger, je dois demander. Je demande. Ah, mais pourquoi aujourd'hui, alors tu t'es mise à genoux? Il fallait continuer ta mission. Maintenant que tu trouves que tu es en position de faiblesse, tu commences à dire que, oh, Michel, tu me sers à quoi? Michel, tu n'as pas pu me mettre chez elle. Prends-moi avec toi. Cherche là où tu vas m'installer, c'est Michel. C'est impossible. Impossible. Pourquoi? Eh, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne déborde même pas. C'est-à-dire, ne traverse même pas la limite. C'est toi qui payes mon loyer. Donc, celui qui paye mon loyer, quand il veut venir là, moi, je commence à réfléchir. Non, maman. Je vois la magie avec toi. Non, maman, c'est pas comme ça. Michel. Il fallait utiliser ta tête. Michel. Quand toi-même, tu partais sortir ta bouche là-bas, tu t'attendais à quoi? Toi-même, dis-moi, c'est toi-même. Tu sais que tu es en position de faiblesse. Tu es là, ta vie fait un genre. Au lieu de faire les courbettes, jouer à la belle-sœur gentille, tu peux montrer que, oh, tu es à Kamba, non? Je vois la magie avec toi. Même pas. Donc, débrouille-toi. Tu veux me débrouiller comment? Le plan A a échoué. Donc, je ne sais même pas comment on va faire là maintenant. Donc, débrouille-toi. Comment ça va faire travailler tes ménages? Aujourd'hui, tu me dis que la vie, c'est une place. Je te rappelle qu'un jour, moi aussi, j'ai eu ma part de place. Je suis venue te parler. Pourquoi tu me conseilles en tant que grande soeur? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis partie, j'ai barré l'enfant de tout. Aujourd'hui, je suis où? Qui paye ma maison? Tu es obligée de barrer. Ah. Qui va m'aider à arriver ici? Mon Dieu! Vous avez pu trouver refuge ici? C'est ça? Et jusqu'à elle boit même le jus. Oui, mais quand la bouche comme le train magique. Vous n'avez pas honte? Vous n'aviez pas honte? Vous êtes venu quand vous avez trouvé le jus à boire. C'est malheureux, hein? Michel, ma baisse, comme on s'appelait. C'est ça? Je te respectais beaucoup, Michel, mais tu es devenue petite comme ça. Je dis bien petite comme ça. Tu m'insultes, Michel, quand même dire qu'on est venu chez nous pour la dot. On a trouvé une cabane là où on pouvait même pêcher quelqu'un à l'intérieur. Parlez maintenant. Ma maison, ni toi, ni elle, personne n'entrera chez moi. Je dis bien personne. Vous allez errer toujours comme ça. Demandez les maisons. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Je vous dis ça. Regarde comment elles sont. Vous êtes brune, non? La greffe là que vous avez sur la tête, ou c'est la perruque, ou c'est la greffe. Vous pouvez vendre ça. C'est plus de 300 000, non? Vous pouvez vendre ça. Cherchez même seulement une chambre pour dormir là-bas. Ne serait-ce que. Vous venez m'insulter, moi, veuve de mon état. Vous n'avez pas pitié de vos enfants que votre frère a laissés. C'est ça, non? Parlez! Vous ne parlez plus, vous êtes devenu moumou. Vous êtes brune. Vous êtes velue partout. Vous êtes belle. Cherchez alors là où vous allez dormir. Voilà, guette, hein? C'est souillant, hein? Je vais envoyer votre nièce vous donner la natte pour que vous dormez là-bas. Voilà, Goyang Wang, c'est moi qui vous dis ça. Vendez-moi ne serait-ce que l'eau glacée. J'ai dit l'eau glacée. Ça va vous servir. Que des erreurs que vous faites là. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Allez vendre-moi ne serait-ce que l'eau glacée. Ça va vous donner un peu d'argent. C'est malheureux. Tchav. Hé, hey, ferme ta gueule, ne me parle même pas. Tu t'amuses, je verse le jus là sur toi. On va seulement se verser le jus. Ne me parle même pas là où tu es là. Mouton de la moutonnerie. Ah. Ton cerveau là, c'est l'eau qu'il y a dedans. D'accord. Il était une fois. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait,
les menaces par-ci par-là. Elle met la maman choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment mes frères de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite directement.